السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tu m'entends? Ouais, je t'attends, Khi. Ça va quoi? Ouais, ça va, je t'entends mieux là. Ouais. Salam alaikum wa rahmatullahi Alaykoum salam wa rahmatullahi Ça va quoi tranquillement? wa barakatuh. Ouais, j'étais où là? Je te vois pas là. Elle est où ta caméra? Suis vilain aujourd'hui. Akhi. الحمد لله بارك الله فيك. محمد المدين. نعم ولله اخي. Ça va, t'as commencé là? Ouais, ça enregistre là. Ma sha Allah. T'as arrêté où la dernière fois déjà? Ah ouais frère, tu me poses une colle là. Tu crois que c'est Ah, vrai? t'as vu, t'es pas réveillé toi. T'es au Yémen. Et Ah, je venais d'arriver au Yémen. Non, je venais d'arriver au Yémen. comment ça s'est passé du Yémen jusqu'à maintenant? Comment tu as fait pour te trouver à Médine? Et à la fin, j'aurai des questions, Inch'Allah. Vas-y, marhaba, t'écoute. Bah, en fait, voilà, je venais d'arriver au Yémen. Comme je disais la dernière fois, bah, les frères, ils m'ont accueilli, ils m'ont mis dans une maison. Je m'y attendais vraiment pas. Parce que moi, j'étais parti, on était parti pour dormir, voilà, à la mosquée, moi du côté des hommes et ma femme du côté des femmes. Donc, alhamdoulillah, je suis arrivé, ils m'ont mis dans la maison, je suis resté dans la maison, j'étais vraiment surpris. Ils m'ont ramené de quoi cuisiner. Une plaque avec une bouteille de gaz. Et subhanallah, j'étais vraiment, vraiment, vraiment surpris parce que c'était des gens que je connaissais pas, j'avais jamais vu et ils m'ont accueilli comme ça. Donc, alhamdoulillah, je suis resté dans la maison, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de clim parce que tu connais Yémen comment c'est, il fait super, super, super chaud. Donc, Il fait plus chaud il qu'en Afrique fallait. ou en Arabie, il fait plus Ah, chaud. mais au Yémen, il fait beaucoup plus chaud. Au Yémen, c'est insupportable. L'Arabie, c'est la plage à côté. Les conditions, parce qu'au Yémen, il n'y a pas la clim partout et tout ça. Exactement, exactement. Tandis qu'ici, il y a la clim partout, centre commercial. Partout, tu vas aller à la clim. Même dans ta voie, partout. Même dehors, des fois, tu sens la clim. Donc, voilà, nous, quand on est arrivé, il n'y avait pas la clim, il n'y avait rien. Et t'as vu, au Yémen, les maisons, là, il y a un gros trou en haut là, pour mettre la clim. Ça veut dire que moi, le trou, il devait faire, vas-y, sans exagérer, voilà, 1 mètre carré, tu vois. Il était vraiment grand et il n'était pas fermé, tu vois. Ça veut dire qu'il y avait tout le sable qui rentrait. Vu en plus, j'étais dans le désert, il y avait tout le sable qui rentrait. Et nous, on n'avait pas de matelas, on n'avait rien. Alhamdoulillah, donc on est resté comme ça. On dormait par terre, on avait des draps, donc on mettait les draps par terre, on dormait par terre. Et voilà, le matin, quand on se réveille, Harry, subhanallah, je me rappelle. Et tu sais, quand tu passes tes mains sur ton visage, Harry, c'était rempli de sable, franchement. Dormais Ah, à la plage quoi, mais t'es chez toi. t'as dit quoi? C'est comme si tu dormais à la plage, mais t'es chez toi en fait. Exactement, c'était ça. Ça veut dire qu'on était rempli de sable, Harry, subhanallah. Et voilà, il fallait que j'achète une clim pour boucher le trou, mais je connaissais pas. Donc, le temps de connaître un peu les frères, tu vois, je les connaissais pas, je voulais pas trop leur demander, etc. Donc, le temps que je commence à connaître et tout, avec l'argent du frère là qui m'avait passé là pour les billets d'avion, avec cet argent-là, j'ai commencé à acheter, voilà, les choses nécessaires. Par exemple, voilà, comme, voilà, une clim, j'ai acheté une clim et j'ai acheté un petit frigo, tu La vois. chance, hein, T'as dit quoi? t'as la chance d'avoir une clim directement. Ah non, mais c'était pas directement, c'était quelques temps après, tu vois. Mais alhamdoulillah, avec l'argent que. J'ai resté 1 an et demi sans clim. C'était Bah, franchement, franchement, alhamdoulillah. Et dès que j'ai eu la clim, c'était comme si, subhanallah, je sais pas moi, c'est comme si on t'offre une voiture. J'étais tellement. Ah oui. Ah oui, ça change ta vie, Harry, subhanallah. Donc franchement, alhamdoulillah, sur ce point-là, en fait, si tu veux, je ne pouvais pas tout acheter. Donc, il fallait vraiment que je choisisse qu'est-ce que je devais acheter en premier. Donc, j'ai choisi la clim et j'ai choisi un petit frigo pour mettre l'eau, tu vois. Parce que voilà, dans le désert, il faut quand même avoir de l'eau fraîche. Donc, j'ai acheté ça, la clim et le petit frigo. J'avais pas de matelas, il n'y avait rien d'autre.
pas de machine à laver, on lavait à la main, c'était voilà. Donc, alhamdoulilah, on est resté comme ça pendant à peu près 3 mois. 3 mois, c'était ça. C'est pas mal. Alhamdoulilah, on est arrivé au Yémen. Franchement, c'était bien, tu vois. J'avais plus d'argent. C'est en Mais pendant 3 mois. pendant 3 mois comme ça, tu vois, pendant 3 mois comme ça. Mais avant ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que aussi, quand je suis arrivé, t'as le frère des visas. Le frère des visas, il est venu, il voulait son argent, faut pas l'oublier, Oui, tu bien vois. sûr. Donc, vous n'avez pas donné l'argent. Donc, voilà, j'avais pas donné l'argent. Il est venu, il directement, dès que je suis arrivé, il est venu directement. Il m'a dit, c'est lui le frère des visas. Il m'a dit, c'est comment mon argent? Je lui ai dit, frère, ton argent, je vais pas te mentir, je l'ai pas et je ne sais même pas comment je vais l'avoir. Je sais pas, tu vois, je vais pas te mentir. Il m'a dit, comment ça? Voilà, il me dit, comment ça? Il me dit, Harry, moi, à la base, tu vois, je voulais plus venir, mais qadarallah, je me suis retrouvé là, tu vois. Il m'a dit, écoute, on va pas parler longtemps, je te laisse une semaine. Une semaine, tu me ramènes mes 3 000 dollars ou sinon, je te fais pas ta carte de résidence, je fais pas ton Iqama et tu restes clandestin. Les frères, ils ont essayé de lui parler, ils ont dit, Harry, tu vois, le frère, il est venu, il a pas d'argent, laisse-lui un peu plus de temps. Il a dit, non, il n'y a pas plus de temps. Parce que lui, derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il avait des engagements avec d'autres personnes et tout. Tu vois, tu connais comment ça se passait. Donc, lui, personnellement, je ne pouvais pas lui en vouloir. Et moi, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, Tayyib, Inch'Allah, ton argent, Harry, tu vas l'avoir. Kaif, comment? Je ne sais pas comment tu vas l'avoir, mais une chose est sûre, tu vas l'avoir. Et Harry, subhanallah, à ce moment-là, je ne te cache pas, Mohamed, je ne savais pas comment j'allais trouver l'argent. J'avais que Allah Azzawajal. Comme d'habitude, Harry, on a que Allah. Ça veut dire que je commence à invoquer Allah. J'invoquais, je marchais la nuit comme ça, tout seul, je regardais le ciel. Et je me rappelle le verset où Allah disait, tu sais, quand le prophète s'installe, il voulait qu'on lui accorde la Mecque comme Qibla. Et je me disais, mon Seigneur, voilà, je me disais, mon Seigneur, il me voit. Il me voit, il sait ce que je veux. Et Harry, subhanallah, je demandais à des frères avec qui on était en Égypte. Des frères qui m'avaient dit, t'inquiète pas, quand tu vas arriver là-bas, on va t'aider, t'inquiète pas, Harry, rien du tout, Harry. Je suis arrivé, personne. Et subhanallah, il y avait une personne, celui-là, Harry, je ne lui avais pas demandé et je ne voulais pas lui demander parce que j'avais honte, en fait, tu vois. J'avais honte de lui demander et c'était la personne qui m'avait payé les billets d'avion. Mais subhanallah, Harry, je me suis retrouvé dans une situation où je n'avais pas le choix. Il fallait que j'emprunte, tu vois. Il fallait que j'emprunte à quelqu'un et il n'y avait personne à part lui. Et là, le frère, je le contacte, tu vois, par mail et tout. Et lui, entre-temps, il était plus en Égypte, il était parti au Soudan. Et là, je lui dis, voilà, la situation, c'est comme ça, comme ça. Est-ce que tu peux trouver quelqu'un parmi tes connaissances qui peut... Tu vois, je ne voulais pas lui demander directement, tu vois. Mais en gros, voilà, mais sans... Bon, si tu vois, quelqu'un qui peut m'aider, etc. Il m'a dit, Harry, 3 000 dollars, ça fait énorme. Je ne te garantis rien, mais je vais chercher, Inch'Allah. Subhanallah, premier jour, deuxième jour, troisième jour, le frère il m'envoie un mail, il me dit, Harry, je t'ai envoyé 3 500 dollars. 3 500 dollars, 3 jours, Harry, subhanallah. Et là, Harry, franchement, je suis parti, j'ai récupéré l'argent, j'ai appelé le frère des visas, je lui ai dit, je t'avais dit ton argent, t'allais l'avoir. Comment? Je ne savais pas, mais ton argent, il est là. Et alhamdoulillah, tu vois, il m'a fait mes papiers. Maintenant, Harry, il restait les 3 500 à rembourser. Donc ça, c'était un autre problème qui se causait. Et moi, j'aime pas être endetté, tu vois. Donc, j'étais en train de réfléchir comment faire pour rembourser le frère. Pas de solution. J'ai dit, vas-y, quitte à aller en France, c'est pas grave. Je vais aller en France travailler, mais au moins, je rembourse le frère. Et là, j'envoie un mail au frère. Je dis, Harry, barakallah fik, qu'il laisse-moi juste un peu de temps, histoire que je trouve un moyen pour voyager ou quelque chose pour rembourser la personne. Harry, le frère, il m'envoie un message, il me dit quoi? Il me dit, Harry, écoute, la personne qui t'a envoyé l'argent, elle te pardonne l'argent. Harry. Harry, il me dit ça à la... Allô? Oh, Ça avait coupé. ah, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Il t'a dit la personne qui Ouais, je te... Ouais, il m'a dit la personne qui t'a passé l'argent, elle te pardonne, tu vois. Juste, elle veut quoi? Elle veut que tu te concentres pour que tu étudies, Harry. Subhanallah, Harry. Franchement, ça là, je pouvais pas m'y attendre, tu vois. Et ça m'a grave, grave, grave soulagé, Harry. C'était un truc de fou. Donc, alhamdoulillah, j'étais en règle.
Je ne devais pas d'argent. Le frère Zawla Khaira, il m'avait sadaxé cet argent-là. Donc, alhamdoulilah, je suis resté comme ça. Dans l'appartement, j'avais les 500 dollars en plus qu'il m'avait donné. Donc, je mangeais avec, etc. Et après, 3 mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? La nouvelle tombe. Les frères, ils viennent me voir, ils me disent, Harry, le propriétaire de la maison, en fait, il veut louer son appartement, il veut louer sa maison, donc il veut que tu partes. Ah ouais, là, ça y est, c'était fini. Le Donc, rêve, le rêve, le rêve s'écroulait. t'étais gratuitement en fait. C'était gratuitement, pendant 3 mois, gratuitement, je ne payais pas. Et en fait, c'était le propriétaire, il m'avait laissé, en fait, tu vois, parce que les frères avaient parlé avec lui, et le propriétaire, il a dit, vas-y, je lui laisse, il n'y a pas de problème. Mais 3 mois plus tard, en fait, il voulait louer à quelqu'un, donc il m'a dit, voilà, il a dit au frère, le frère, il va falloir qu'il parte, parce que je veux louer. Quel bloc toi déjà t'étais? Ah, c'était cet appartement-là, c'était au bloc 1, c'était au bloc 1, ça. D'accord. C'était pas C'était nickel. trop loin du ouais, c'était pas trop loin du Marquise. Et du coup, Harry, là, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, je me retrouve dehors, sauf que j'avais plus beaucoup d'argent. Donc, je commence à chercher un appartement parce que voilà, c'était pas possible d'être dehors. Je commence à chercher un appartement, mais les appartements, ils étaient trop chers par rapport à ce que j'avais. Et là, subhanallah, il y a un frère, Jazakallah Khaira, il prend mes affaires chez lui. Attends 2 secondes. Le temps que. Attends 2 secondes, il y a mes enfants, ils rentrent là. Vas-y. Faire du bruit. C'est bon, arrête, tu peux continuer. Ouais, je te disais, il y a un frère, Jazakallah Khair, il a pris mes affaires chez lui, histoire que, voilà, le temps que je trouve une solution, et voilà. Donc, chercher un appartement, chercher, il n'y avait rien. Et ça y est, je me suis retrouvé dehors. Donc, là, il fallait que je me loge. Il y a un frère, il m'avait pris chez lui. Et après, Harry, bah, c'était la débrouille. Hein. Il cherchait des conteneurs pour dormir dedans. Après, ça, des fois, je dormais dehors. Des fois, j'ai dormi dehors, sous la pluie, frère. Bah, franchement. Oui. Donc, alhamdoulillah, c'était une période qui était un peu difficile parce que, voilà, tu te retrouves dehors avec ta femme, sous la Au pluie. Yémen, t'avais dormi dehors. Au Yémen, Harry, mais les gens, ils ne savent pas. Y a les gens, Harry, ils ne savent pas ça, que j'ai dormi sous la pluie. On Des était fois, je où, me. T'as dit quoi? nous? On était où, nous? Toi, je crois que tu n'étais pas là, toi encore. Je crois que tu étais encore parti. Ah, j'étais pas là, j'étais pas encore arrivé à ce moment-là. Non, tu n'étais pas encore. Harry, les gens, ils ne savaient pas. Harry, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens, ils ne savent pas. Les gens, ils ne savent pas ça. Mais voilà, c'est parce que tu me l'as demandé. C'est pour ça que je le dis. Mais pour te dire, voilà, c'était une période qui était assez difficile, tu vois. Et tu vois, au-dessus des maisons, il y a une espèce de réserve d'eau. Ouais, sur les houches. Voilà, exactement. Harry, nous, on dormait sur des trucs comme ça. Et quand il fallait se doucher, on se douchait avec ça. Une fois, il fallait se doucher, frère, j'ouvre le truc, je vois, il y avait des algues. Je me dis, mais comment ça arrivait là, ça? Harry, c'était un truc de ouf. Et Harry, ouais, c'était une période qui était un peu difficile. C'était vraiment difficile, tu vois. Après, j'avais trouvé un conteneur. Je voulais le prendre. En fait, Mais je les conteneurs, tu parles, c'était les petites boutiques où les gens ils habitaient dedans, là, des fois. Hein, c'était les conteneurs, les vrais conteneurs là, que tu trouves dans les ports. Tu voulais habiter dans un conteneur au Yémen? Ben oui, Yachid. C'est sérieux. J'étais en train d'en chercher, j'en avais trouvé. Pour le mettre à En fil fait, j'en avais. dans la ville. T'as dit quoi? Tu voulais le mettre T'as dit quoi? dans la ville ou tu voulais faire comment pour habiter dedans? Comment t'allais faire? Non, non, en fait, il y en avait des conteneurs. Hein. Il y avait des conteneurs et tu pouvais habiter dedans, tu vois. Mais en fait, il faisait super, super, super chaud. En fait, il t'a installé des toilettes un peu à l'arrache, tu vois. Et après, il mettait un petit trou. Il mettait un petit trou dans le truc. Et tu pouvais installer ta clim. Voilà, ils avaient des trafics, mais c'était impossible. Quand il y a des coupures Non, électriques, c'était. il meurt. Voilà, c'était tout simplement impossible. Donc, subhanallah. En fait, voilà, j'ai passé un petit temps comme ça. Alhamdoulilah, qui n'était pas trop, trop, trop long. Mais j'ai passé un petit temps comme ça où j'étais dehors, je n'avais pas de maison. Et j'attendais en même temps, j'attendais l'aide que Cheikh y donnait. Et aussi, j'attendais ce que mon oncle m'a envoyé par mois pour prendre un appartement. Dès que j'ai eu ça,
Pour les gens qui écoutent au Yémen, alhamdoulillah, le cheikh, il donnait de l'argent, quoi, il y avait de l'argent qui était, il y avait des mohsinines, des bienfaisants qui donnaient de l'argent pour les familles qui venaient étudier. Ouais, donc voilà, j'attendais d'avoir l'aide du cher qui était de 15 000 riyals et compléter ça avec ce que mon oncle m'a envoyé, aussi c'était 15 000 riyals, donc ça allait faire 30 000 riyals. Je comptais prendre ça pour prendre un appartement parce que les appartements que je trouvais c'était super cher. Donc voilà. Donc, alhamdoulilah, dès que la Moussaada elle est venue, il y avait un appartement, il était à 23 riyals, un truc comme ça. Je dis à ma femme, on va le voir, on va le prendre, même s'il ne serait-ce qu'un mois. C'est toujours mieux d'être à l'abri voilà, que d'être dehors. Il y a des chiens, il y a tout et n'importe quoi. Donc là, je vais voir l'appartement. Ah, subhanallah, c'était un appartement. C'était, franchement, j'étais fatal un peu. C'était vraiment beau. C'était voilà, c'était beaucoup mieux que les appartements en France. Mais il était trop cher pour moi. Donc, je fais istikhara, je dis, vas-y, frère, Inch'Allah, on va le prendre, ne serait-ce qu'un mois. Si le mois prochain, on doit être dehors, bah, pas d'Allah. Mais au moins, ce mois-ci, on va être à l'abri. Et subhanallah, au moment où je vais prendre l'appartement, je vais dire à la personne, c'est bon, je vais le prendre, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, il y a une autre personne qui veut le prendre. Me dit, il y a une autre personne qui veut le prendre. Et cette autre personne-là, bah, elle avait une famille avec des enfants, etc. Tu vois, moi, je n'ai pas d'enfants. Et moi, je vais voir cette personne-là. Je dis, ouais, apparemment, je vais prendre l'appartement. Elle me dit, ouais, et tout. Regarde, moi, je suis dans un appartement. Il est petit. Et voilà, nous, on est quatre et tout, tu vois. Je dis, OK, moi, je fais quoi? Moi, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas attendre longtemps que tu décides. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, écoute, Harry, tu sais ce qu'on va faire? Moi, je vais prendre cet appartement-là. Et toi, tu prends mon appartement. Harry, subhanallah, son appartement, il était devant le Marquise. Il était à 15 000 riyals. Allahu Akbar. C'était moins cher et il était plus proche du Marquez. Exactement. Ça veut dire, voilà, ça s'est fait directement. Je l'ai aidé, là, on a enlevé ses affaires, il les a mis dans l'autre appartement. J'ai pu rentrer dans l'appartement, alhamdoulillah. Ça veut dire que vu que l'appartement il est à 15 000 riyals, eh ben, moi, je pouvais payer l'appartement avec ce que le cheikh il donnait. Tu vois, ça suffisait largement tous les mois. Ce que le cheikh il donnait, bah, ça me permettait de payer mon appartement. Et avec ce que mon oncle m'a envoyé, bah, ça me permettait tout simplement de vivre. Donc, alhamdoulillah, j'avais trouvé une stabilité. Et voilà, ça m'a permis de souffler. Donc, j'ai continué comme ça pendant un petit moment. Jusqu'à, subhanallah, un jour, je sors du Marquise après Maghrib. Je rentre chez moi vite fait parce qu'il y avait une coupure entre Maghrib et l'Acha. Et là, subhanallah, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Je vois ma femme, elle est par terre. Elle n'arrive plus à respirer. Oh, c'est quoi ça? Je la prends, je la ramène, je mets de l'eau sur le visage, etc. Elle se réveille. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, vu que ça avait coupé, il faisait tellement chaud que voilà, elle n'arrivait plus à respirer parce que de base, elle avait des problèmes respiratoires. Donc de là, bah, chaque fois que ça coupait, j'avais le cœur qui battait à 50 000. Je dis, oh là là, faut que je rentre là C'était à pour aller cause de vérifier parce si que tout tu avais va dit bien. qu'elle devait se faire opérer, c'était à cause des premiers trucs qu'elle avait ou c'était pas lié. Non, ça, c'était pas lié. Ça, c'était d'autres problèmes. Ça, c'est les respiratoires. Ça, c'est autre chose. Et du coup, voilà, à chaque fois que ça coupait, j'étais obligé de rentrer. Ça veut dire que parfois, j'assistais pas au cours qu'il y avait entre Maghrib et l'Aïcha parce que ça coupait souvent à cette heure-là. Donc, j'étais obligé de rentrer. Et subhanallah, c'est là que Shaitan, il intervient. Shaitan, il vient. Parce qu'il faut savoir que quand on fait la hijra, Shaitan, il lâche personne. Il vient toujours. Et là, il commence à me dire, Mohamed, qu'est-ce que tu es parti prendre une femme qui est malade? Regarde, tu peux même pas assister au cours du cheikh. Regarde, tu avais beaucoup d'argent. Tu es parti en Égypte pour pouvoir l'installer. Tu es revenu par sa cause, à cause d'elle. Tu as perdu tout ton argent. Tu t'es retrouvé bloqué. Tu es reparti avec 1 500. Tu n'avais plus. Regarde en quoi tu t'es retrouvé à cause d'elle. Et tu connais, alhamdoulilah, que ce genre de waswas, bah, on sait que ça vient de Shaitan. Donc, on se dit, alhamdoulilah, qadar Allah ma sha fa'al. On ne sait pas, en vérité, il se peut qu'il y a un grand bien derrière qu'on ignore. Donc, on a laissé ça de côté, on a continué. Et subhanallah, un autre jour, je rentre du Marquise et là, je vois ma femme, pareil, elle est pliée au sol.
douleur au ventre est insupportable. Et ça, c'était lié à la première, à l'opération. Donc, je commence à m'inquiéter. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'opération en plus, c'est dû à ça, je m'inquiète. Et là, je fais tout pour la ramener à l'hôpital. Je la ramène à l'hôpital. L'hôpital, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, on n'a pas les moyens ici pour la regarder. On n'a pas le matériel nécessaire pour la regarder. Je leur dis, d'accord, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que vous me conseillez? Et là, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, il faut que tu ailles en France parce qu'ici, on ne peut pas la regarder. Alors, quand ils me disent ça, là, c'est voilà, c'est l'effondrement total. Je retourne, on retourne à la maison et après, subhanallah, c'est là que tu vois que Shaitan, il ne te lâche vraiment pas. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Quand Shaitan, il a vu qu'il est venu me voir, il a essayé de me wasseoir par rapport à ma femme, il a vu que ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu avec l'apparence humaine. Ça veut dire qu'il m'a envoyé un frère. Un frère, qu'est-ce qu'il vient me voir? Qu'est-ce qu'il vient me dire? Il me dit, Harry, parce que voilà, j'avais raconté un peu ma situation par rapport au docteur, ce qu'il m'avait dit, etc. Et là, qu'est-ce que le frère, il me dit? Il me dit, Harry, tu sais, si ta femme ne t'avait pas dit qu'elle était malade, etc., bah, les savants, ils disent que tu peux la divorcer. Et là, subhanallah, quand j'ai entendu cette parole-là, j'ai regardé le frère, je me suis dit, Allahu Akbar. Ton frère, au lieu qu'il te dise, patiente, esbir, il te dit de divorcer ta femme. Je dis, ça, c'est shaitan. Donc, quand le frère, après, il a vu que, voilà, j'ai pas calculé ce qu'il m'a dit, ben, en fait, il a cherché à me causer d'autres problèmes, tu vois, par rapport à la moussaada. Parce que parmi les conditions du cheikh, tu sais qu'il fallait assister à tous ses cours à lui. Et moi, ben, le cours de Maghrib, ben, souvent, j'assistais pas. Donc, le frère, quand il a vu que je n'ai pas écouté, il est venu, il m'a dit, écoute, tu vois, tu n'assistes pas souvent au cours du Maghrib. Donc, voilà, il faut qu'on dise au cheikh, comme ça, il t'enlève la moussaada. Et là, je me dis, mais Allahu Akbar, Harry, tu sais que c'est avec ça que je paye mon loyer. Comment tu peux vouloir me retirer ça, tu vois? Ça m'avait étonné. En fait, pourquoi je dis ça? Pour que les frères, ils sachent que quand tu fais la hijra, tu es attaqué dans tous les côtés. Ce n'est pas parce que, voilà, il y a des frères tayyibun, ça, c'est bien, voilà. Les gens bien, il y en a partout. Mais tu seras éprouvé. Et ça, Allah, il dit dans le Coran, « وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ » C'est-à-dire que Allah, il va nous envoyer toujours des gens qui vont être des épreuves pour nous, pour voir comment on va agir, pour voir comment on va patienter. Donc, Al-Muhim, quand j'ai vu ce frère-là, comment il réagissait, je n'ai pas calculé. Je suis parti voir un peu un autre frère. En qui, mashallah, tu vois, c'est un frère que j'aimais beaucoup, qui avait une grande sagesse. Donc, je suis parti le voir. Et je lui dis, voilà, écoute, ça fait déjà un petit moment que, voilà, ça dure. J'essaie de trouver un moyen pour partir, mais je ne te cache pas que j'ai peur. Qu'est-ce que tu penses? Et là, le frère, il me dit, il me regarde en souriant. Il me dit, écoute, t'inquiète pas. Si tu es sincère avec Allah, Allah, il le sait. Donc, tu vas voyager en France et tu vas revenir. Et par contre, si tu veux voyager en France parce que ici la vie elle est difficile, qu'en vérité tu es en train de te mentir à toi-même, que tu veux tromper Allah, alors sache que Allah, il le sait aussi. Après, quand le frère m'a dit ça, Harry, je te cache pas que à ce moment-là, je me suis senti munafiq. Je me suis dit, ah ouais, ça y est, je vais plus jamais revenir. Donc, alhamdoulillah, je me suis dit, vas-y, on va partir. J'ai fait istikhara. Mais maintenant, il fallait les billets d'avion, je les avais pas. Et subhanallah, il y avait un frère qui voulait venir au Yémen. Et ce frère-là, il m'avait envoyé son argent pour faire ses papiers. Et au même moment, le frère qui s'occupe des visas, il vient me voir et me dit, ton ami, là, ses visas ne vont pas sortir, donc je te rends son argent. Donc là, je me retrouve avec l'argent du frère. Je contacte le frère, je lui dis, Harry, écoute, là, je dois voyager en France et j'ai pas d'argent. Est-ce que tu peux me prêter 350 dollars? Il me dit, OK, il n'y a pas de souci, je te prête 350 dollars, mais tu me les rends quand? Je lui dis, je te les rends dans 2 mois, Inch'Allah. Il m'a dit, OK, dans 2 mois, il n'y a pas de souci. Et après, subhanallah, je ne savais même pas comment j'allais lui rendre son argent. Ce frère-là, je ne savais même pas. Je savais qu'il fallait que j'aille en France, qu'il fallait que je ramène ma femme se faire soigner, il fallait que je trouve du travail pour revenir vite. Parce que tu sais, quand je quitte le Yémen, tu as 3 mois maximum. Au bout de 3 mois, si tu dépasses les 3 mois de 24 heures, même si tu as un titre de séjour de 50 ans, bah, tu ne peux plus revenir. Donc le frère, je ne savais pas comment j'allais le rembourser. Donc il a accepté de m'avancer l'argent. Je prends l'argent, je paye les billets d'avion et subhanallah, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, j'ai pas encore quitté le Yémen. Le lendemain, il y avait un frère qui était au Maroc. Ce frère-là, c'était un muhajir, mais il était en difficulté au Maroc. Il était avec moi en Égypte, mais après, il est parti au Maroc et là-bas, il était en difficulté.
Et ce frère-là, il m'appelle, il me dit, Harry, écoute, je t'ai envoyé 360 dollars. Comme ça, Harry. Et il savait même pas, il savait pas que je m'étais endetté, il savait pas tout ça, il savait rien. Rien du tout. Il savait rien du tout. Harry m'a dit, je t'ai envoyé 360 dollars. Il m'a dit, Harry, cet argent-là, en fait, c'est les gens, ils ont fait une cotisation pour moi. Et quand j'ai reçu l'argent, j'ai pensé à toi, je me suis dit, en fait, ce frère-là, il est plus dans le besoin que moi. Et il me les a envoyés, Harry. Subhanallah, il n'a rien gardé pour lui. Amin, amin, tu vois. Du coup, j'ai pris l'argent, subhanallah. J'avais déjà de quoi rembourser le frère avant même d'être parti. Donc après, je suis parti, alhamdoulilah, on arrive en France. Dès qu'on arrive en France, dès qu'on arrive à la maison, ma femme, 42 de fièvre, urgence. Directement, urgence, il commence à paniquer. Qu'est-ce qui se passe et tout, venez tout, Yémen, elle a attrapé une bactérie, ça y est, c'était la folie. Et à la fin, subhanallah, après des analyses, après tous les trucs, ils viennent, la conclusion, ils nous disent que c'est quoi? Ils disent en fait, non, c'est rien de grave. C'est juste que vu qu'elle s'est fait opérer, ben, en fait, ça, c'est les signes de la cicatrisation. Ah, je suis retombé, frère. Je me dis, mais j'ai tout quitté pour la cicatrisation. Mais c'est mort. Et là, je me dis, khair, inshallah, qaddar Allah, ma sha'a fa'al. On est là, on a 3 mois, il faut qu'on fasse tout pour revenir le plus vite possible avec le maximum d'argent possible. Donc là, je commence à chercher, on charbonne, on cherche, on cherche, on cherche. Harry, rien. Rien du tout, Harry. Premier mois, deuxième mois, Harry, rien du tout, Harry. Et là, je commence à rentrer dans le troisième mois. Là, j'entends les frères au Yémen, ils commencent à dire, Mohamed, il va pas revenir, il va pas revenir. C'est mort, il va plus revenir. Tu vois, ça m'a attristé. Moi, je savais c'était qui disait ça, tu vois. Ça veut dire que j'ai appelé la personne, je lui ai dit, Harry, apparemment, les frères disent que je ne vais pas revenir, tu vois. Ça ne sert à rien de dire ce genre de paroles-là. Faites de pour moi que je revienne, c'est plus profitable. Bon, le frère en soi, il a dit, ouais, mais ce qui est apparent, c'est que tu ne reviendras pas. Tu m'as dit, parti, ça fait presque 3 mois, tu ne vas pas revenir. Je dis, ok, inchallah, c'est pas grave. Après, au bout du troisième mois, ça y est, c'était fini. Moi, je ne pouvais plus revenir au Yémen. Au bout du troisième mois, le frère avec qui j'avais travaillé à Chronopost, là où on a livré le vin, là, qu'on a arrêté, le frère, il me dit quoi? Il me dit, écoute, j'ai un truc pour toi, parce qu'il connaissait ma situation. Il me dit, j'ai un truc pour toi. Je dis, ah ouais, quoi? Il me dit, vas-y, viens. Je connais une personne, c'est une expert comptable, elle va te régler ton problème. Parce qu'en fait, ce que je n'avais pas dit, c'est que avant de partir en Égypte avec ma femme, avec les 1500, j'avais essayé de récupérer tous mes assédics parce que j'avais travaillé pendant de longues années. Et en fait, bah, Pôle emploi, ils n'ont pas accepté de me les donner parce que j'avais un contrat qui se chevauchait justement le chronopost là où j'étais parti. Donc, il m'a mis licenciement, ou plutôt abandon de poste. Donc, voilà, ça avait bloqué mes assédics. Et moi, en fait, au lieu de lutter et chercher à les récupérer, bah, ça prenait trop de temps. Donc, je dis, bah, tu sais quoi, je les laisse et je pars. Donc, je suis parti. Après, quand je suis revenu, le frère m'a dit, je connais quelqu'un qui peut te régler ton problème. Et là, en fait, elle me ramène chez un expert comptable. Je lui explique ma situation. Je raconte un peu mon histoire. Ça l'a grave, grave touché. Elle a dit, écoute, moi, j'ai des sociétés et je vais te faire ça, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que la personne, en fait, je ne sais pas ce qu'elle a fait, je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a réussi, en fait, à me réouvrir tous mes droits. Tu vois, et sans contrepartie, sans rien du tout. Vraiment, elle m'a fait ça bien-là, tu vois. Et du coup, en fait, elle m'a dit, tu peux aller pour l'emploi, ils vont te donner tous tes droits. Donc, après, je suis parti chez Pôle emploi. Après, ils m'ont redonné tous mes droits, frère. Tous mes droits, frère. Ce que t'avais Et. économisé, ils t'ont donné. T'as dit quoi? Ce que t'avais économisé, ils t'ont donné. Tout, après, tout. Après, moi, je commence à travailler jeune, tu vois. Ça veut dire que tout ce que j'avais travaillé, tout ce que j'avais économisé, après, ils me l'ont donné, tu vois. Et là, après, ce n'était pas des petites sommes. Là, j'ai pu débloquer plus de 60 000 euros, tu vois. Arrête. Plus de 60 000 euros, Harry. Là, on va parler chiffres maintenant. Harry, plus de 60 000 euros, Harry. Je suis parti avec 1500. J'ai vécu des trucs de fou, Harry. Allah, Qadar Allah, je suis revenu en France. Harry, je suis reparti, Harry. Allah, il m'avait débloqué plus de 60 000 euros. Et subhanallah, ce qui m'a le plus étonné, c'était quoi? C'est que Allah, il aurait pu me les débloquer dès le premier mois, dès le deuxième mois. Mais non, il a attendu que le troisième mois passe. Comme ça, c'est sûr que je ne vais pas retourner au Yémen, tu vois. Et là, bah, Qadar Allah, je ne pouvais plus retourner au Yémen parce que j'avais dépassé le délai. Et j'étais grave attristé, Harry. Vraiment, tu connais le Yémen, c'est un truc de fou. J'étais grave attristé. Et on était à l'approche du Ramadan.
pensant que c'était mort. Ça faisait déjà 4 mois, j'étais parti. J'ai ma femme, on ne peut pas rester là. On va au Maroc. On va au Maroc ou on va dans un autre pays. Voilà, on a décidé, on a dit, on va au Maroc. Donc, on est parti au Maroc pour passer le Ramadan. J'arrive au Maroc. Bah, tu connais, j'avais de l'argent, j'avais beaucoup d'argent. Donc, je me suis dit, vas-y, khair, inchallah, peut-être qu'il y a un bien que je sois là, que voilà, que j'aille plus au Yémen, on va rester là. Donc, j'ai commencé à m'installer, à acheter tout le frigo, machine à laver, lit, tout, matelas, tout, 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 vraiment tout neuf. Et là, il s'est passé un phénomène super étrange. C'était que chaque nuit, quand je fermais les yeux, quand je dormais, je me voyais rentrer au Yémen. Chaque nuit, je dormais, je me voyais rentrer au Yémen. Et j'ai ma femme, attends, mais c'est bizarre, chaque fois que je dors, je me vois rentrer au Yémen. Je ne savais pas c'était quoi, tu vois. Et alhamdoulilah, voilà, je suis resté au Maroc à peu près 20 jours. Donc j'étais avec le frère qui m'avait envoyé l'argent, là, les 360. On s'est retrouvés au Maroc, alhamdoulilah. Voilà, on était contents de se revoir, ça faisait longtemps. Et au bout de 20 jours, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 20 jours, je reçois un message parce que j'étais resté en contact avec le frère qui s'occupait des visas. On était devenus assez proches. Donc, j'étais resté en contact avec lui. Et là, il me dit quoi? Il me dit, écoute, Mohamed, il me dit ça. Il me dit, là, il y a une grande possibilité que tu puisses rentrer à la fin du Ramadan. À la fin Je du lui ai Ramadan, dit, tu pourras peut-être rentrer. ah, et voilà, il m'a dit, à la fin du Ramadan, je peux te faire rentrer au Yémen. J'ai dit, Kaif, comment tu peux me faire rentrer au Yémen? Il m'a dit, t'inquiète pas, je peux te faire. Je lui ai dit, écoute, t'es sérieux de ton affaire là? Parce que là, c'est tout simplement quelque chose d'impossible. Là, c'est la guerre pire qu'avant, je suis pas en règle, il n'y a rien. Il me dit, t'inquiète pas. Juste, sois prêt quand je vais te dire, prends tel vol, tu prends tel vol. Telle heure, je dis, vas-y, ok, il n'y a pas de souci. Et là, après, subhanallah, je commence à me poser, je commence à réfléchir. Je me dis, mais pourquoi je suis venu au Maroc? Quelle est la hikma que je viens au Maroc? Pourquoi Allah m'a envoyé au Maroc, tu vois? Je commence à me poser des questions comme ça. Parce que l'insan, toujours, il y a tadabbar, tu vois, il essaie de méditer. Et là, après, subhanallah, je commence à parler à un frère. Je lui dis, voilà, je vais partir et tout, tu vois, j'ai des meubles et tout. Voilà, qu'est-ce que tu penses que je devrais en faire, tu vois? Le frère, il me dit quoi? Il me dit, bah, tu les vends, tu les mets sur Internet et tout, tu les vends. Je dis, ok, vas-y. Et subhanallah, akhi, regarde, akhi, subhanallah, regarde, c'est un truc de fou. Je parle avec mon ami là qui m'avait envoyé les 360. Je lui dis, ouais, je vais partir et tout. Le frère, il s'est un peu énervé sur moi parce qu'il s'est dit, mais comment ça, tu vas partir? Ça fait 20 jours que tu es là, tu es venu, tu as acheté des meubles et tout, etc. Tu vas vendre tes meubles et vas-y, tu vois. Tu vas perdre de l'argent. Il était un peu énervé que, par rapport du fait que je perds de l'argent, tu vois. Et après, Harry, regarde, subhanallah, ce qui s'est passé. C'est passé, c'est qu'en fait, ce frère-là, il voulait se marier. Tu vois, il voulait se marier, il avait trouvé une sœur. Sauf que ce frère-là, il n'avait pas une situation, il était hébergé chez des gens, il n'avait rien, tu vois. Et les parents de la sœur, en fait, ils lui avaient dit, si tu veux qu'on te donne notre fille, eh ben, il te faut au moins que tu aies des meubles. Tu vois? Voilà, il faut que tu aies des meubles. On ne peut pas te donner notre fille et tu n'as rien, tu vois. Après, quand j'ai appris ça, après, je dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. En vérité, c'est ça qui m'a ramené au Maroc. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les meubles que j'ai achetés, après, ça a juste été un risque pour que le frère ait un sabbat pour que le frère puisse se marier, tu vois. Parce qu'en fait, quand je suis parti, alhamdoulilah, tu vois, j'étais bien, tu vois. J'avais beaucoup d'argent, alhamdoulilah. Ça veut dire que le frère, il ne savait pas. Mais en fait, j'avais parlé avec ma femme. Et on avait décidé de lui donner les meubles pour qu'il puisse se marier, tu vois. Ça, c'est quelque chose en général que je ne dis pas, mais là, je dis justement pour que les gens ils voient que quelle que soit ta situation, quel que soit où tu es parti pour faire la hijra, Allah Azzawajal, il te laisse pas. Tu vois, j'étais au Yémen, ce frère-là, il m'a envoyé de l'argent. Lui, il était au Maroc, il n'avait rien. Allah, il m'a enrichi, il m'a envoyé au Maroc pour que ce frère-là puisse se marier, tu vois. Donc, où que tu sois, Allah Azzawajal, il te laisse pas. Donc, je suis parti, j'ai fait 20 jours au Maroc. Et après, le frère m'a dit, prends tel vol. J'ai pris tel vol de Paris. Et après, je suis parti au Yémen, akhi, subhanallah. Je suis arrivé au Yémen, akhi, dans l'avion. Hey, c'est le directeur de l'aéroport qui est venu me chercher. Subhanallah, j'étais étonné. Le directeur de l'aéroport, il vient me chercher. Il me ramène dans des endroits que les autres, ils vont pas. Il me ramène dans un bureau, il me met des coups de tampon. Tata, me dit, c'est bon, pars. Il me dit, ça y est, c'est tout comme ça. Il me dit, ouais, c'est bon. Allahu Akbar.
Et là, j'arrive au Marquis Zahri. Je n'avais pas prévenu les gens, ils ne savaient pas que j'allais revenir. Juste une personne, j'avais prévenu pour qu'il me puisse voilà, me mettre chez lui parce qu'il avait une grande maison. Un jour ou deux, le temps que je trouve un appartement, Harry, j'arrive. Les frères, ils me voient, ils choqués, choqués. Mais comment t'as fait pour revenir? Qu'est-ce qui s'est passé? Harry, subhanallah, Parce que tu vois, quand tu reviens, les humains, Harry, quand tu pars 3 mois, c'était mort. Et les frères, ils sont t'es pas, mort. ils sont plus jamais revenus. Ils ont dépassé les 3 mois. C'était chaud après pour qu'ils rentrent. C'était un exploit. C'était un truc inédit. Personne n'avait fait ça. Harry, t'imagines, Harry. Et là, les frères, tu vois, ils s'étonnent. Ils me disent, mais comment t'as fait? Comment t'as fait pour revenir? Et Harry, tu vois, là, c'était plus la même personne, tu vois. Harry, là, tu vois, j'avais beaucoup patienté. Il y avait des frères, ils avaient parlé sur moi. Il y avait des frères, ils me regardaient comme si j'étais un moins que rien. Mais alhamdoulillah, tu vois. Donc, quand j'arrive et qu'on me demande, comment t'as fait pour rentrer? Bah, Harry, je dis tout simplement, celui qui m'a fait rentrer la première fois, c'est celui qui m'a fait rentrer la deuxième fois. Harry, silence, Harry. Ça, c'était la revanche. Ça y est, c'était. Ça y est, il n'y a pas de. On va se bagarrer, mais il faut qu'on remette un peu les pendules à l'heure, tu vois. Celui qui m'a fait rentrer la première fois, c'est celui qui m'a fait rentrer la deuxième fois, tout simplement. Et Harry, là, ça y est, je suis resté 2 jours chez le frère. Et là, je cherche un appartement, tu vois. Je cherche un appartement. Et j'ai appris qu'il y avait un appartement super luxe. Tout le monde le voulait, mais il était cher, tu vois. Après, on va, je regarde l'appartement, il était à l'époque 1 en plus, pas loin du Marquise. Et là, Harry, je demande à ma femme si elle le voulait. Elle m'a dit, ouais, elle le veut, Harry, on l'a pris, frère, on l'a pris. Et attention, attends, il y a un truc que je n'ai pas dit. C'est qu'avec les 60 000 là, qu'on a pris, entre-temps, Harry, alhamdoulilah, ma femme, elle a pu se faire opérer, tu vois, elle a pu se faire opérer pour ses problèmes de respiration. Ça veut dire qu'alhamdoulilah, tu vois, il n'y avait plus rien, Harry. Tu vois. Donc, on est revenu, Harry, on était bien, on a pris l'appartement, on est resté dedans, Harry, franchement, on était super bien. Donc, j'ai repris les études, bien, 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 bien. Et il y avait une personne que lui, je l'attendais au tournant, parce que je savais que cette personne-là, quand elle allait voir ma situation qui a changé, elle allait venir. Parce que voilà, il y a des gens, tu vois, quand il y a du hasad dans leur cœur. Al-Mouhim, le frère, je l'attendais. Au bout de plusieurs mois, ça s'est pas fait directement. Au bout de plusieurs mois, il vient et il craque. Et il me dit, Harry, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait en France? Tu es parti, tu n'as pas travaillé, tu reviens, tu prends un appartement qui est super cher, tu étais là, tu es toujours bien habillé, tu sens bon, tu es toujours comme ça. Harry, il commence à me dire des choses comme ça, mais vraiment, il s'est lâché, genre, ça y est, ça, il ne peut plus contenir ça en lui, tu vois. Et là, il me dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Moi aussi, je vais le faire. Harry, c'est ce frère-là, Harry, il voulait que le cheikh il me retire la moussaada, Harry. Il voulait qu'il me conseille à divorcer ma femme. Il vient, il me dit des choses comme ça. Et là, Harry, subhanallah, là, je le regarde et je lui dis, tu veux savoir qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, Naam, dis-moi qu'est-ce que tu as fait? Je lui dis simplement, Allah il dit dans le Coran, Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Tout simplement. Allah, il fera suivre après la difficulté, la facilité. Harry, le frère, ça y est, il me regardait bouche ouverte, yeux ouverts, ça y est, il savait plus quoi dire. Donc, alhamdoulillah, tu vois, Allah, il m'avait vraiment enrichi après que j'ai subi vraiment des vraies épreuves. Et il est venu, il m'a élevé après que les gens me regardaient comme si j'étais un moins que rien, tu vois. Donc, alhamdoulillah, j'ai continué comme ça pendant longtemps. Jusqu'à un jour, Harry, subhanallah, je me réveille. Le matin, je me réveille comme ça. Je me réveille le matin. Et là, il y a un truc qui me dit, Mohamed, il faut que tu partes du Yémen. Il faut que tu partes. Je dis, comment ça, faut que je parte? Je dis, c'est bizarre, ça. Je suis au Yémen, je suis en train d'étudier, je suis avec les machaïrs, avec les frères, machallah, et là, il faut que je parte. Je dis, non, c'est pas possible. Et là, je dirais à ma femme, tu vois, premier jour, deuxième jour, trois, au bout d'une semaine, ça devenait vraiment insupportable. Et là, j'en parle à ma femme. Je dis, ouais, il y a un truc bizarre. C'est que ça fait une semaine que j'ai une envie forte de vouloir quitter l'Yémen et je ne sais pas pourquoi. Mais le truc en plus qui est bizarre, c'est que cette envie-là me pousse à aller en France. Ma femme, elle me regarde, elle me dit, oh là, ça ne va pas, là, c'est clair que c'est bizarre. Mais elle me dit, invoque Allah dans tes prières. Invoque Allah dans tes qiyams, invoque Allah et Inch'Allah, Allah il va t'enlever ce waswas-là, il va t'écarter ce serment.
Et là, subhanallah, je me lève, je fais des qiyams, j'invoque Allah, je dis Allah, je deviens fou, je crois que je suis possédé, je fais des trucs de fou, j'ai envie de partir. Et subhanallah, qu'est-ce qui se passe? Plus j'invoque Allah, qui me préserve de ces waswas-là, ces wasawis, et plus mon envie de partir elle augmentait. Je pouvais plus. Arrivé un moment, subhanallah, j'arrivais plus. J'arrivais plus à supporter, en fait. Il fallait que je parte. Il fallait que je parte et il fallait que j'aille en France. Je ne savais pas pourquoi, mais il fallait que je parte. Et là, je dis à ma femme, je dis, franchement, je ne sais pas ce qui nous attend, mais il faut que je parte. Vraiment, je n'arrive plus. Mais là, subhanallah, ma femme me dit, OK, bah, fais ce qu'il faut. Si c'est un bien, Allah va nous faciliter. Et si Allah nous facilite, c'est que c'est un Donc, bien. on ne va pas Si trop c'est bien. un mal, je vois ma femme, elle m'a dit, bah, fais istikhara. Si c'est un bien, Allah va nous faciliter. Et si c'est un mal, il va nous en écarter. Donc là, je fais istikhara. Allô, on t'entend plus là. J'ai pris la décision, on part du Yémen, on quitte le Yémen, on va en France. Ça a coupé un peu, tu disais? Ouais, je te disais, en fait, dès que j'ai fait istikhara et que ça y est, la décision, elle était prise, que c'est bon, je vais en France et tout, je quitte le Yémen. Après, subhanallah, dès que j'ai fait istikhara, mon cœur, il s'est apaisé de malade mental. Et en fait, il y a un truc qui est rentré dans mon cœur. C'est comme si Allah, il me disait, Ya Abdi, la tahzan, t'inquiète pas, ne sois pas triste. Parce que tu pars du Yémen, mais tu vas en Arabie. Wallahi, j'avais un yaqin que j'allais en Arabie. Pour moi, j'allais en Arabie. Je vais en Arabie Saoudite. Et du coup, voilà, ça y est, j'ai pris mes billets d'avion et les frères commencent à me demander, mais tu vas où? Et moi, tu connais les frères, quand tu sais, tu leur dis, tu vas en France, hein, et limite, t'es un mécréant, tu vois, ça y est, t'es un fou. Et donc, j'ai rien dit, je disais rien aux frères. Je leur disais rien, je dis, ouais, je pars, c'est tout. Et là, les frères, dans leur tête, ils se sont dit, ouais, s'il part, c'est qu'il va en Arabie, c'est sûr, il ne peut pas quitter le Yémen pour aller ailleurs. À part un frère avec qui j'étais proche, lui, je lui ai dit, ouais, je vais en France et je vais aller en Arabie, tu vois. Il me dit, mais comment ça, tu vas en Arabie? Je dis, ouais, t'inquiète, je vais aller en Arabie, je vais aller à la Jamia. Je dis, voilà, je vais à la Jamia à l'université. Il me dit, mais t'as postulé au moins, t'as été accepté. Je dis, non, il n'y a rien de tout ça, mais je vais y aller, je sens là que je vais y aller, Inch'Allah, t'inquiète pas. Le frère, bon, il s'est dit, il est un peu fou, tu vois. Al-Muhim, je suis parti, arrive en France, Alhamdulillah, tout s'est bien passé. J'arrive, on s'installe, et une semaine arrive, une semaine plus tard, on m'appelle du Yémen, on me dit, Akhi, subhanallah, il y a une nouvelle de fou qui vient d'arriver. Il faut que tous les étrangers quittent le Yémen. Subhanallah, Akbar, je dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. En vérité, ça, c'est Allah, il a voulu. En fait, Allah, il a voulu que je sorte. Je suis le premier à être sorti. Le premier à être sorti, c'était moi. Parce que tu as vu après comment ça se passait. Les frères, quand ils voulaient voyager après pour aller en France ou pour aller en Égypte ou même au Maroc, ils se faisaient arrêter. Pour certains, ils se faisaient emprisonner. D'autres, on les laissait pas rentrer dans le pays. Tu sais, c'était chaud. Il y en a, ils se sont fait expatrier par l'armée française. C'était la folie. Tu vois, hélicoptère et tous les trucs de fou. Il y en a, ils sont passés dans les journaux. C'était la folie. Et subhanallah, Allah, il a voulu que je sois le premier à être sorti. Et alhamdoulilah, quand j'ai vu ça, je me suis dit, khalas, ça y est, c'est parti, on va à Médine. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'inscription à l'université. Directement, je suis parti, j'ai fait une omra, je suis parti pour faire l'entretien. J'ai fait l'entretien, alhamdoulilah. Après ça, bon, je suis revenu en France. Je ne pouvais pas rester en France, tu vois. Donc, j'ai dit à ma femme, on va pas rester là. On repart, tu vois, on repart. Donc, on est reparti au Maroc. On a fait 2 ans au Maroc. Et pendant ces 2 ans-là, Harry, tu vois le frère là, à qui j'ai dit que je partais à Médine. Ce frère-là, Harry, pendant 2 ans, me disait, alors, c'est comment Médine? T'es pris ou t'es pas pris? Non, t'inquiète pas encore, mais je serai pris, Inch'Allah. Harry, le frère, il se moquait de moi. Harry, il disait, mais toi, t'es fou. Harry, 2 ans de ta vie, t'attends des résultats, frère. Mais arrête, moi aussi, on m'a dit que j'allais être accepté, j'ai pas été accepté. Tu vois, c'est une chance sur 100 000 ou je sais pas combien m'a dit. Harry, écoute, arrête de me dire tes histoires-là. Toi, t'as pas été accepté, moi, je serai accepté, Inch'Allah, t'inquiète pas. Et là, miskine, le frère, tu vois, il voulait mon bien. Ça veut dire, il voulait, tu vois, me dire, t'accroches pas trop parce que si tu vois que t'es pas accepté, tu vas tomber de haut, tu vois. Il me disait ça. Harry, quand tu vas voir que la liste est sorte et que tu n'es pas accepté, tu vas tomber de haut. Et moi, je disais, Harry, t'inquiète pas, quand il y aura la liste et qu'il y aura mon nom,
T'inquiète pas, tu vas te rappeler ce jour-là. Harry, au bout de 2 ans, j'étais au Maroc, tu vois, pendant 2 ans. Et quand j'allais rentrer dans la troisième année, Qadarallah, il s'est passé un incident, tu vois, il fallait que je vienne en France. Donc, on est revenu en France. Quand on est revenu en France, je me suis dit, bon, vas-y, je vais essayer de travailler un peu pour avoir un peu plus d'argent. Donc, j'ai commencé à travailler. Et subhanallah, j'étais dans ma voiture en train de travailler. Et là, Harry, je reçois un appel. Un appel du frère, là, voilà, celui qui me disait que j'allais pas être accepté, ou voilà, celui à qui j'avais dit que j'allais partir en Médine. Lui, pendant ce temps-là, en ce moment-là, il était au Koweït. Donc, il m'appelle du Koweït. Je dis, mec, pourquoi il m'appelle à cette heure-ci, lui? Tu vois, il était tôt chez nous en France, il était 9h30. Il m'appelle, il me dit, Harry, il me dit, Harry, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Harry, t'as été accepté à Médine. Arrête. Comme ça. C'est Voilà, Harry, il me dit, quelqu'un d'autre qui t'a dit que t'as été accepté? Harry, voilà, Harry, c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit que j'étais accepté. Mais Allah, il n'a pas ramené n'importe qui. Il a ramené celui qui me disait que je n'allais pas être accepté. Harry, quand il m'a appelé, il m'a dit ça. Il m'a dit, Harry, tu as été accepté à Medine. Je lui ai dit, Harry, tu te rappelles ce que je te disais? Je lui ai dit, quand tu verras mon nom, eh ben, tu vas te rappeler ce que je te disais. Il m'a dit, Harry, Wallah, toi, je crois que tu es un fou. Il me dit ça. Il me dit, toi, je crois que tu es un fou. Mais Harry, c'est pas. C'est des rebondissements. Tu voulais nettoyer, mais tu es parti avant tout le monde, tout ça. Maintenant, tu es à Médine, tu es là. Les gens pensent pas que tu vas aller, bam, tu es accepté. Harry, c'est un truc de fou. Franchement, le frère, franchement, quand j'ai vu, en fait, ce qui est fou, c'est quoi? C'est que s'il n'y avait pas eu cet incident qu'il y a eu au Maroc, je ne serais pas revenu en France avec ma femme, tu vois. Donc, Allah, il a fait qu'il y a eu cet incident qu'il y a eu. Donc, je suis revenu avec ma femme. Même pas 2 mois plus tard, le frère, il m'appelle pour me dire que j'étais accepté, tu vois. Donc, franchement, Harry, c'était un truc de fou. C'était la folie, tu vois. Et alhamdoulillah, j'étais vraiment content. Le frère, ça a été une ibra pour lui, tu vois. Qu'en vérité, Harry, vraiment, il y a tawakkal à Allah, tu vois. Faut vraiment placer sa confiance en Allah Azzawajal et ne pas douter. Vraiment ne pas douter, tu vois. Et du coup, voilà, j'ai été accepté à Médine. Et je me suis renseigné avant d'arriver. En fait, ça faisait déjà 3 ans où l'Amsterdam, il était fermé. Ça veut dire que l'université, ça faisait 3 ans où c'était impossible aux gens mariés de ramener leur femme. Donc là, je commençais à me dire, mais comment je vais ramener ma femme? Comment je vais la ramener? 3 ans, mais c'est impossible, je reste encore 3 ans sans ma femme. Je me dis, vas-y, khair, inshallah, on va voir comment ça se passe. Donc je laisse ma femme en France. Je pars à Harry, j'arrive à Médine. Et Allahu Akbar, l'année où j'ai été accepté, ils ont ouvert l'Amsterdam. Ça veut dire que ça veut dire qu'ils ont ouvert l'Amsterdam, subhanallah. Donc j'ai pu ramener ma femme, j'ai pu la ramener à Médine, subhanallah. Alors que ça faisait déjà 3 ans que c'était impossible. Allah, il a fait que l'année où j'ai été accepté, c'est l'année où ils ont ouvert les portes et du coup j'ai pu ramener ma femme. Et du coup, ça fait déjà plusieurs années qu'on est là, qu'on est à Médine, walillah alhamd. C'est comme ça que, pour répondre à un commentaire d'un des frères, c'est comme ça que j'ai quitté le quartier et c'est comme ça que je suis arrivé à Médine. Donc voilà, mon parcours en Et après, Moukhtasar. ta femme aussi, elle est venue, etc. Alhamdoulilah. T'as dit quoi? Et ta femme, elle est venue, alhamdoulilah, t'étais Ouais, ma femme, elle est là, alhamdoulilah, elle est venue. Franchement, on est bien ici, Harry. Franchement, on est bien. Et toujours Allah Azzawajal, toujours Harry, subhanallah, il continue de nous préserver. Il continue de nous faciliter et de nous écarter les choses bizarres, tu vois. Par exemple, là, l'année dernière, je devais voyager en France. Et ma mère, elle voulait que je voyage pour aller la voir et tout. Donc, j'allais voyager pour aller en France. Donc, j'allais laisser ma femme ici. Et j'allais voyager. Et subhanallah, au moment où j'allais voyager, je me suis rendu compte qu'en fait, mon passeport, il se finissait dans un mois. Donc, je me suis dit, je vais le faire en France, c'est pas grave. Et je vais à l'université pour qu'il me fasse un visa, que je puisse voyager. Et l'université, ils me disent, on ne peut pas te faire de visa. Parce que si on te fait un visa, une fois que tu vas voyager, ton visa sera plus valide, en fait. Donc, tu auras un nouveau passeport. Donc, tu es obligé d'avoir un nouveau passeport et après, on te fait ton visa. Donc, j'ai dit, OK. Et Harry, subhanallah,
Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? En fait, je n'ai pas voyagé. Je suis resté ici. Les frères, quasiment tous, ils ont voyagé, ils sont partis en France. Et juste après, ce qui s'est passé, c'est que bah, ils ont fermé les frontières. Tu vois. Ils ont fermé les frontières. Ça veut dire que des frères sont partis et ils ne peuvent plus revenir. Ils ont laissé leurs femmes, leurs enfants ici. Et ça fait déjà. T'as dit quoi? Covid. À cause du Covid, tu vois, les frontières sont fermées. Ça veut dire que les frères, ils ne peuvent pas revenir. Il y a leurs femmes, leurs enfants qui Là, c'est sont bon ici. maintenant. Là, ils peuvent revenir maintenant. Non, non, ils ne peuvent pas revenir. Ils ne peuvent pas Oui, revenir. Ouais, ils ne peuvent pas revenir. Ils avaient mais ouvert, ils avaient ouvert pendant un moment, mais après, ils ont refermé encore, tu vois. Ils ont refermé. Ça veut dire que là, personne ne peut revenir. Personne ne peut revenir, tu vois. Et franchement, je dis Alhamdoulilah, parce qu'en vérité, je serais parti. Bah, là, je serais bloqué en France et ma femme ici, et voilà, tu vois. Donc vraiment, Allah Azzawajal, il continue de faciliter Harry, ça fait ça, faire plus de toute cette histoire-là, ça va faire plus de 10, ça fait plus de 10 ans Harry qu'on la vit et elle continue, tu vois, alhamdoulillah, franchement, ceux qui sont là-bas, elle est vraiment belle, tu vois. ceux qui ont été bloqués là-bas, c'est il y a une hikma dans toute chose pendant la Exactement, tu vois, exactement, alhamdoulillah. Et franchement, il y a un truc que vraiment j'ai envie de dire et encourager ceux qui veulent faire la hijra, tu vois, c'est que vraiment, tu vois, on est parti avec 1500 et au jour d'aujourd'hui, après, subhanallah, et comme Allah dit, donc faut dire les bienfaits d'Allah sur nous, même si elles sont nombreuses, on peut pas tous voilà, les dénombrer, mais pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, après être parti avec 1500, au jour d'aujourd'hui à Médine, je fais peut-être partie des frères qui vivent le mieux, tu vois, qui vivent le mieux, qui. Voilà, alhamdoulilah, je manque de rien, je suis bien, j'ai tout ce que beaucoup n'ont pas, tu vois. Donc, franchement, alhamdoulilah, alhamdoulilah, tu vois. Et Harry, Et voilà, il y a voilà, dis-moi. des questions à te poser. Vas-y, dis-moi. Quelqu'un qui me dit, est-ce qu'il est intéressant d'acheter le visa résident à 180 000 dollars, je crois. Je crois qu'il a 200, je crois qu'il a 200 000 dollars, le visa résident. Un peu plus de 200 000 200 dollars. euros, 180 000 dollars. Ouais, un truc comme ça, voilà, c'est ça. Franchement, moi, je dirais de ne pas acheter ce visa-là. Dire pas Je l'acheter. dirais de ne pas l'acheter. T'as dit quoi? Toi, ton avis, c'est qu'il faut pas l'acheter. Moi, je dirais de ne pas l'acheter, tu vois. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est dans une marhala, tu vois, dans une étape où l'Arabie est en train de s'ouvrir au monde, tu vois. Ça veut dire qu'on n'est qu'au début. Eux, ils ont sorti voilà, ce système de visa-là. Maintenant, mais après ça, voilà, on a bien vu qu'ils ont sorti des visas touristes et ils ont des projets pour 2030, donc ça va plus s'ouvrir au monde, tu vois. Donc, ceux qui vont acheter ce visa-là aujourd'hui, bah, peut-être que demain, il sera tout simplement autorisé à tout le monde de venir ici sans visa voilà, de 230 000 euros ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, je pense que pour celui qui a 230 000 euros, qui se prenne une Iqama, ou voilà, qui trouve un moyen de rentrer ici pour pas trop cher et vivre avec son argent parce que dans pas longtemps ça va s'ouvrir je pense tu vois. Ouais, ok. On peut postuler à l'université de Médine, même en cette période du Covid? Oui bien sûr à l'université il y a toujours des élèves là par exemple même cette année il y a eu des nouveaux qui ont été acceptés il y en a qui sont arrivés à il y en a qui sont arrivés. Il y en a d'autres qui ne sont pas arrivés tout simplement parce qu'ils viennent d'Europe, tu vois, parce que l'Arabie Saoudite, si tu veux, ils ont fermé la porte à l'Europe, la France, la Belgique, tous ces pays-là, en fait, tu vois, ils ont fermé. Mais tu as des pays d'Afrique où eux, ils peuvent rentrer, tu vois. D'accord. Donc, voilà. Les pays qui sont grave impactés, ils peuvent pas venir. Voilà, ils peuvent pas venir. L'Indonésie, tout ça, ils peuvent pas venir, tu vois. Mais il y a des pays encore qui peuvent rentrer. Ça veut dire qu'il y a eu des nouveaux qui sont arrivés. Il y a eu des nouveaux qui ont commencé les cours, voilà, à distance, parce qu'en ce moment, on étudie à distance. Donc, voilà, et bien sûr, on peut postuler. D'accord. Est-ce que c'est possible d'étudier sans diplôme à 36 ans? Je pense que c'est peut-être pour l'université aussi, il demande. Bah, pour ceux qui veulent étudier à l'université, faut savoir que l'université a des conditions. Il faut avoir le bac et il faut avoir moins de 25 ans. Mais des Mais fois, ils acceptent après, voilà, t'as dit quoi? il y a des exceptions parfois. Bah oui, parfois il y a des exceptions et moi-même j'en fais partie parce que quand j'ai été accepté, bah, j'avais plus de 25 ans et moi j'ai pas le bac. Voilà, je fais partie de cette exception-là. Donc, même à 40 ans, il y a toujours des exceptions. Moi, je connais un frère, il a été accepté à 40 ans. Ah ouais, machin. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
Est-il possible de passer un an ou plusieurs mois à Médine pour prendre la science? Je suis salarié et pourrais prendre un an de congé pour cela. Tu peux passer un an, 2 ans ou même plus pour apprendre la science. Tout dépendra de ta situation et comment tu rentres dans le pays. Si tu rentres avec un visa touriste, bah, tu peux pas faire un an parce que c'est maximum 3 mois renouvelable, 3 mois, donc ça fait 6 mois. Après, si la personne, par exemple, elle rentre avec une iqama, avec un titre de séjour, etc., comme on est entre les mains, à ce moment-là, elle peut rester un an sans problème, il n'y a pas de souci. Mais après, bon, après. Si la personne est dans sa question, elle veut dire si elle peut venir comme ça et rester un an, bah pour l'instant, ce n'est pas possible. D'accord. Peut-on partir en Omra ou pour le Ramadan et rester jusqu'au Hajj, c'est-à-dire rester plusieurs mois dans le lieu saint de manière légale? Bah non, non, ce n'est pas possible parce qu'en fait, les visas touristes, là actuellement, ils ne sont plus, ils donnent plus de visas touristes, bah, voilà, à cause du Covid. Les visas touristes, si tu les prends, tu peux les prendre 3 mois. Mais ces 3 mois-là, bah, ça n'inclut pas tout ce qui est Ramadan, tout ce qui est Hajj, etc. Tu vois. Donc, tu ne peux pas les utiliser pendant les périodes de Hajj. Après, la personne, elle peut venir pendant Ramadan pour faire sa Umrah. Mais les visas de Umrah, bah, ça ne dure pas 3 mois ou 4 mois ou 6 mois. En général, c'est 1 mois, les visas de Umrah. Et encore là, avec le Covid, ça a diminué. Je crois qu'ils donnent 2 semaines ou quelque chose comme ça. Bah écoute, quels sont les critères pour que les jeunes puissent intégrer les études religieuses sur Médine, je pense, l'université? Les critères, bah, il n'y a pas vraiment. Bah, après, c'est comme j'ai dit, hein, il y a des conditions, c'est avoir le bac, avoir moins de 25 ans. À part ça, il n'y a pas vraiment de critères parce qu'il y a des gens, ils ne parlent pas l'arabe, ils sont acceptés. Tu en as d'autres qui parlent l'arabe, bah, ils sont aussi acceptés. Donc, ça, c'est les conditions de base, avoir moins de 25 ans et avoir le bac. Mais après, voilà, il y a toujours des exceptions, tu vois. Il y a une sœur, elle a demandé quoi? Elle a dit, elle a son mari. Son mari, il veut pas faire la hijra. Son mari, il veut pas faire la hijra. Et elle, elle est en France. Et en fait, subhanallah, elle a dit, elle a fait un rêve. Elle voulait partir à Médine. Elle voulait faire la hijra. Elle a dit, elle a vraiment une situation super en France, superbe. Elle a une voiture. Elle a 2 enfants. Malheureusement, il y en a un qui est malade, qu'Allah le guérisse. Et Amen. vraiment, financièrement, elle n'est pas à plaindre et tout ça. Mais vraiment, de son cœur, elle se sent pas bien d'être en France. Et elle a dit, voilà, maintenant, elle a un problème, c'est que son mari, il ne veut pas faire la hijra. Et elle a dit, voilà, elle a peur pour sa religion, elle se sent pas en sécurité. Et voilà, elle veut partir. Et voilà, elle s'est dit, elle va à la Médine, tu vois. Donc elle demande, elle, une femme qui est toute seule, comment elle peut faire pour aller à Médine? Chose, comment elle peut avoir une Ikama, comment elle peut payer son loyer, comment ça se passe pour payer son loyer, sa l'année, comment ça se passe, etc. Quels sont les moyens pour une femme seule pour se rendre à Médine? Bah, en fait, c'est pareil que pour les hommes. Si y a des sœurs qui vivent seules, hein, qui ont des T'entends appartements, très qui très vivent bien là. seules. Tu m'entends? Parle un peu plus fort ou rapproche-toi du téléphone. Ouais, tu m'entends là? Ouais, tout à mieux. Ouais, je te disais que ici, il y a des sœurs qui vivent seules dans des appartements. Ça, sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, bah, si elle veut venir vivre ici, à ce moment-là, il va lui falloir une iqama. Donc, il va lui falloir un titre de séjour, de résidence, tu vois. Et ça, bah, il y a plusieurs façons d'en obtenir, tu vois, d'en obtenir un, tu vois. Mais voilà, moi, personnellement, bah, vu sa situation, je lui dirais d'abord d'essayer de convaincre son mari plutôt que de se lancer dans des aventures comme ça, tu vois. D'accord, je pense que c'est mieux que à essayer de motiver son mari, hein. C'est mieux qu'elle motive son mari. Comme ça, s'ils partent, eh ben, ils partent ensemble. Ils partent ensemble, ils partent à deux. C'est toujours mieux de partir à deux que de partir seul. Parce que ici, pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, ici, bah, il y a des sœurs qui ont fait ce qu'elle veut faire et bah, qui sont venues ici. Et après, c'est voilà, c'est un peu la galère. Parce que ici, si tu es seule, si tu es une femme seule,
bah, il faut quand même quelqu'un qui s'occupe de toi au début, surtout pour te montrer comment ça marche, qu'est-ce que tu dois faire ici, etc. Si la personne ne parle pas très bien l'arabe ou si la personne ne comprend pas le dialecte saoudien, parce que si c'est pas qu'on est en Arabie saoudite, imagine que tout le monde va comprendre le fusha ou que tous les dialectes sont pareils. C'est-à-dire que si elle ne comprend pas, si elle ne sait pas se Ah, débrouiller, si elle ne sait pas parler, elle a dit, elle sait parler l'arabe, Inch'Allah. elle sait parler l'arabe. Ouais, elle sait parler l'arabe, elle a dit. Bah, si c'est pareil l'arabe, ça va être un point positif pour elle. Mais ici, franchement, sincèrement, moi, je conseille vraiment aux sœurs, si elles peuvent, de venir avec leur mari. Vraiment, si elles peuvent, de venir avec leur mari. Pour celles qui ne peuvent pas, bah, il y a des frères ici qui cherchent à se marier. Mais il faut patienter, tu vois. Parce qu'en général, les frères qui sont ici, bah, c'est des frères qui n'ont pas beaucoup d'argent, tu vois. Mais Frère, en tout cas, voilà, pour la sœur, juste pour, voilà, excuse-moi pour la sœur, parce que je pense que je n'ai pas très bien répondu. Voilà, pour la sœur, il y a tout ce qu'il faut ici pour une femme qui veut venir habiter seule. Il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Elle peut acheter sa voiture, elle peut conduire, elle peut s'installer, elle peut vivre sa vie, elle peut se marier, voilà, elle peut tout faire. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Concernant comment elle peut se procurer un titre de séjour, bah, simple, si elle a des connaissances ici, bah, il y a des gens qui peuvent justement faire les démarches pour elle, pour qu'elle puisse avoir son titre de séjour. On l'a fait pour un frère que tu connais. Donc, on l'a fait pour notre frère. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire pour la sœur, mais bon, pour dire que c'est possible, tu vois. Ça, voilà, pour dire que c'est possible et voilà, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais c'est mieux pour elle qu'il essaie de convaincre son mari et de partir ensemble. Voilà. En tout cas, Harry, barakallahu fik, mon frère, qu'elle te récompense, tu nous as motivés, mashallah, et tu nous as motivés. Barakallah. Subhanallah, tout est entre les mains d'Allah Azzawajal. Les gens, ils ont beau dire, ils ont beau dire, ils ont beau dire, mais il a Allah Azzawajal, il a décidé une chose, Akhil Karim, subhanallah. Fa innama yakulu lahu kun fayakun, subhanallah. Il prend la parole, Payakoum, c'est une chose qui vient, subhanallah. Harry, c'est exactement ça, Harry, c'est exactement ça. Parce que moi, personnellement, dans tout, Harry, dans mon parcours, Harry, j'ai vraiment vu que quand Allah il dit qu'il ne manque pas à sa promesse, c'est vraiment qu'il ne manque pas à sa promesse, tu vois. Parce qu'il m'a promis de me rembourser, de m'aider à rembourser mes dettes si j'ai mis l'intention de les rembourser. Et je l'ai trouvé présent quand j'avais besoin qu'il m'aide à rembourser mes dettes. Il m'a aidé. Il m'a promis de m'aider à me marier si je voulais marier pour Allah Azzawajal. Ari, quand je voulais marier, il m'a aidé à me marier, tu vois. Il m'a promis que quand j'allais vivre une situation difficile, quelle que soit, bah, elle sera toujours suivie d'au moins deux facilités. Ari, subhanallah, je l'ai vécu, tu vois. Ça veut dire que vraiment, 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 celui qui veut faire la hijra, qu'il sache que vraiment Allah Azzawajal, il ne le laisse pas. Et Allah, il laisse personne. Comment il va laisser les musulmans alors que les mécréants, ils leur donnent à manger, à boire? Comment il va laisser les musulmans? C'est ce que j'ai C'est dit. Rajim, tu vois? Il va vous laisser alors qu'il donne un... Vous Le êtes... kafir, akhi, il lui donne à manger. Le kafir, akhi, il adore shaitan, il adore tout et n'importe quoi. Allah, il ne le laisse pas. Comment toi, le musulman qui adore Allah, qui prie, qui fait les causes pour préserver ta religion, tu crois qu'Allah Azzawajal va te laisser? Non, c'est mustahil, c'est pas possible ça, tu vois. On fait les causes, on fait le maximum de causes possibles, mais faut pas oublier que quelles que soient les causes que tu fais, en vérité, al-amru bayna yadayh, c'est Allah Azzawajal qui gère tout, tu vois. Voilà. En tout cas, qu'Allah te récompense mon frère pour ton témoignage vraiment touchant. Et voilà donc les frères et sœurs, si vous voulez faire des témoignages, vous avez fait la hijra, vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à nous contacter Instagram Mohamed Lamine. En tout cas, voilà le but était ici, mes frères et sœurs, de montrer qu'Allah ne laisse pas ses frères et sœurs, Allah ne laisse pas les serviteurs. Allah Musta'in. Et voilà, on demande à Allah qui nous guide sur le droit chemin et qui nous permette de rester voilà sur la droiture. Innahu waliyuzalika walqadiru alayhi. Et voilà, on se dit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.